Entre tout, sur le pas de récréquité avec Cyril, qui cette fois-ci nous a trouvé un vrai manga quand même. Parce que depuis la semaine dernière. C'est pas un manga, c'est un animé. Un animé. Bon. C'est bien la différence parce quand que même, c'est non, pas la donc, même chose. Hein. Donc pas de manga, pas de petit livre. Pas une BD, un dessin animé. Pourquoi confondre un manga et un animé? C'est quand même deux choses différentes, même si la plupart des animés sont tirés de manga. On ne va pas mélanger. Et là, pour une fois, et ben justement, je vais vous montrer un animé qui n'est pas tiré d'un manga, mais d'un jeu vidéo. Alors là, t'imagines, pour moi, l'extase. Il s'agit tout simplement de Fire Emblem. Et Fire Emblem, c'est tiré du RPG du même nom, qui était sorti sur Super Nintendo. Ils en ont fait un animé, dirigé par Yuji Moriyama, qui est quand même, il faut le dire, le réalisateur entre guillemets de Nuku Nuku et surtout Project Akao, qui est un animé assez connu, voire même très très connu. C'est deux petites filles très rigolotes, enfin c'est assez spécial, mais c'est fort sympathique. On l'a d'ailleurs, je me semble qu'on en a parlé il y a quelques années dans Recrekin. Et bien là voilà, il a réalisé l'adaptation en animé de Fire Emblem, et voici tout de suite un petit extrait. Compris. C'est simple, pendant que j'étais évanouie, j'ai fait un rêve étrange, Sion. Vous avez bien dit que vous n'étiez pas normaux. C'est que, n'étant ni jumeaux, ni même cousins, nous faisons tous les deux des rêves qui coïncident. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai senti le regard de quelqu'un. Mais alors, vous semblez dire que ce rêve n'est pas prémonitoire. Ce serait donc une vie antérieure? Mais Issei, ça veut donc dire qu'il faut que nous allions chercher les autres! Si on les retrouve, il y aura Sion parmi eux. Tu vas voler! Voilà, c'était donc Fire Emblem chez AK Video. Pour l'instant, on VO sous-titré français, mais je pense qu'il sortira peut-être. S'il sort en doublé complet, on vous le dira. Juste une petite précision, ça se trouve principalement dans les magasins spécialisés, parce que Fire Emblem, c'est quand même pas du Dragon Ball qu'on peut trouver en grande surface ou n'importe où. Là, c'est un peu plus précis. C'est chez AK Video, Fire Emblem, et c'est en cassette PHS, voilà. Merci Cyril. J'ai fini. On se retrouve bien entendu vendredi, non, que ce soit contre dimanche. Dimanche, voilà. Dimanche. Ça va pas mieux, toi. Non, ça va pas mieux, Marcel. Tu devrais pas mettre le truc qui te serre le cerveau, là. Parce que je peux pas monter dans la mezzanine. Bah oui, ou bien. On se quitte en musique comme d'habitude. Notre adresse, c'est la boîte postale 1098-091, on a Cossedex, notre Minitel, Cyril peut le faire. Eh oui, 3615 code TMC. Et si ça n'a pas changé, c'est toujours la rubrique numéro 7, la 7. Bien entendu, on se quitte avec Salt and Pepper. We're ready. Hot track, fist scratch the hot wax. So I can grab the microphone and climax. Bars, they need the cream, keep stacking. Dr. Seuss cracking the beats, no seconds. So move with the groove, make your knees weaker. Salt and pepper coming through your speaker. Hot, blazing, so amazing. 152, raising the roof. Who got the juice now? Yeah, papa. I'ma break the rule of something tougher. Show stop.